viens de recevoir mon dossier préparatoire pour préparer mon épreuve unique. D'écriture. Donc, j'ai plusieurs textes sur le même sujet dans ce document-là. Puis, je connais pas le sujet d'avance. Alors, je pourrais pas préparer tout de suite mes idées, qu'est-ce que je vais mettre dans mon texte. J'ai juste droit à une feuille de notes que je vais me faire à partir de mes lectures. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder en trouvant les idées principales des paragraphes dans chacun de ces textes-là. Alors, c'est certain que je vais devoir lire tous ces textes-là, mais il faut que je commence par un. Alors, je vais commencer par le texte « Les rebelles des poubelles » parce que je remarque que les paragraphes sont très gros. J'ai regardé mon cahier de préparation, puis j'ai compris que tous les textes allaient parler des déchets. Mais maintenant, il faut que je lise un texte à la fois, puis que je cible dans chacun des paragraphes quelle est l'idée principale. Donc, quelle est l'idée que l'auteur veut mettre de l'avant? Je suis rendue au deuxième paragraphe, alors je fais la même chose, je commence par le lire. La face cachée des déchets. Selon les derniers chiffres gouvernementaux, chaque Canadien a produit plus d'une tonne de déchets en 2006. Ce gaspillage, alors que 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent des déchets en moins de 42 jours, le mouvement Zéro Déchet prône un changement radical de notre rapport à la consommation. Bon, j'ai terminé de faire la lecture. Je dois maintenant vérifier est-ce que l'idée principale est explicite. Donc, est-ce qu'il y a une phrase dans le paragraphe qui pourrait reprendre l'essentiel de ce paragraphe-là? Donc, d'habitude, quand il y en a une, cette phrase-là est placée au début du paragraphe ou à la fin. Donc, je suis justement à la fin du paragraphe. On dit alors que 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent des déchets en moins de 42 jours. Le mouvement Zéro Déchet prône un changement radical de notre rapport à la consommation. Bon, je ne crois pas que ce soit ça l'idée principale parce que c'est pas ça qu'on essaie de me démontrer dans le paragraphe qu'en moins de 42 jours, ça devient des déchets. Si je regarde au début, ça dit « Selon les derniers chiffres gouvernementaux, chaque Canadien a produit plus d'une tonne de déchets en 2006. » Bon, on n'essaie pas de démontrer que les Canadiens produisent une tonne de déchets. Mais dans le paragraphe, on va parler par exemple de l'enfouissement qui fait en sorte qu'il y a du méthane. Donc ça, c'est pas bon pour l'effet de serre. On a parlé aussi des emballages qui sont non recyclables. Puis on a parlé aussi des animaux marins qui finissent par ingérer du plastique dans l'océan. Donc, on parle beaucoup des conséquences. Est-ce que j'ai une phrase qui pourrait rappeler ça? Ce gaspillage massif a pourtant des conséquences environnementales non négligeables. Ça, là, ça pourrait être une bonne idée principale. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de me démontrer dans mon paragraphe. Puis en plus, l'intertitre, la face cachée des déchets, bien c'est ça la face cachée des déchets, c'est que ce qu'on ne sait pas sur les déchets, c'est qu'ils ont beaucoup de conséquences sur l'environnement. Donc, je pense que j'ai bien ciblé mon idée principale. Vers une société zéro déchet? Parmi les solutions les plus évoquées par les défenseurs du zéro déchet pour réduire les déchets à l'échelle nationale, on retrouve la taxation des emballages inutiles, voire leur interdiction. Je pense
parce que plus le mouvement est local, plus nous pouvons changer les choses rapidement. Donc, je dois d'abord vérifier si l'idée dans ce paragraphe-là est explicite. Donc, est-ce qu'il y aurait une phrase dans le paragraphe qui reprendrait l'essentiel? La première phrase, c'est parmi les solutions les plus évoquées par les défenseurs du zéro déchet pour réduire les déchets à l'échelle nationale. On retrouve la taxation des emballages inutiles, voire leur interdiction. Bon, ben on parle pas juste de ça. Dans le paragraphe, on parle d'autres sujets, donc je peux pas dire que ça reprend l'essentiel. Puis à la fin, ben c'est une citation, puis c'est la dame qui dit « Je pense que plus le mouvement est local, plus nous pouvons changer les choses rapidement. » Donc on parle pas seulement de ce qui se fait au niveau local dans le paragraphe. Alors, je pense que dans ce paragraphe-là, l'idée serait implicite, donc pas directement dite dans le paragraphe. Ça veut dire qu'il faut que je procède autrement. Il faudrait que je sélectionne les mots-clés dans le paragraphe, puis que je regarde c'est quoi le point commun qui relie ces éléments-là. Ça va me permettre de formuler dans mes mots une idée principale dans la marge de mon texte. Donc, si je regarde, on parlait de l'Irlande qui a augmenté le prix des sacs de plastique. Donc, ensuite, on a parlé de la France qui a décidé de les interdire. Après ça, on parlait de l'Italie qui a encouragé l'utilisation de bouteilles réutilisables. Ensuite, on a parlé de législation, donc faire des lois pour encourager les gens à produire moins de déchets. Donc, une loi qui interdirait, par exemple, d'utiliser du polystyrène ou par exemple, une loi qui oblige les restaurants à utiliser des emballages compostables. Puis ensuite, revendiquer le mode de vie zéro déchet auprès des distributeurs. Donc ça, c'est une nouvelle idée. Oups! Puis après ça, ben c'est la citation de la dame qui parle de ce qu'elle fait, puis ça illustre qu'elle revendique auprès des distributeurs. Donc, j'aurais pas besoin de souligner autre chose. Donc, je dois me demander qu'est-ce qu'ils ont en commun ces groupes de mots-là. Ce sont tous des solutions pour réduire la quantité de déchets qu'on produit. OK, fait que je pourrais noter ça dans la marge. Donc, je l'ai dit tantôt, c'est pas seulement des initiatives locales. Il y en a qui sont locales, puis il y en a qui sont ailleurs dans le monde. Donc, je dois rédiger mon idée. Je pense que je vais écrire plusieurs pays et citoyens prennent des décisions pour réduire les déchets. OK, donc ça, je pense que ce serait une bonne idée à retenir. Voilà, donc là, j'ai mon idée principale, implicite, qui reprend bien l'essentiel des mots que j'avais soulignés dans mon paragraphe. J'ai terminé de lire tous les textes de mon dossier préparatoire, alors j'ai noté les unes au-dessus des autres les idées que j'avais retenues dans chacun de mes textes, donc je suis prête à commencer ma feuille de notes. Première chose que je dois faire, c'est de lire ma liste d'idées pour voir si je peux faire des regroupements ou effacer des idées qui se répètent. Donc, j'avais face à la prolifération d'emballages, le mouvement zéro déchet promeut la réduction de notre production de déchets. Ce gaspillage massif a pourtant des conséquences environnementales non négligeables.
la règle des trois R, réduire, réutiliser, recycler, et le quatrième, refuser, qu'un mode de vie zéro déchet peut s'avérer difficile à tenir au quotidien. Donc, si je regarde mes quatre idées de mon texte 1, je me rends compte que la première puis la troisième idée, bien, ça se ressemble parce que on parle de la réduction des déchets dans la première idée, puis la règle des trois R, ça en est là, les façons de réduire les déchets. Donc, je pourrais les mettre ensemble. Réduction des déchets. Règle des trois R. Recycler. Récupérer. Réduire. Puis il y a même refuser qui s'ajoutait. Donc ça en serait une. Ensuite, l'idée des conséquences environnementales, c'est une nouvelle idée. Environnementale. OK. Puis l'autre idée, c'était quoi? C'était, ah oui, difficile de tenir au quotidien le mode de vie zéro déchet. Donc ça, ce sont mes trois idées. OK. Donc maintenant, une fois que j'ai mes idées, il faut que je les organise logiquement, visuellement. Donc, j'aurais envie de mettre celle-là en premier. Donc, les conséquences environnementales, c'est comme les causes de pourquoi on a besoin de réduire nos déchets. Donc, je pourrais la mettre avant. Puis, réduire les déchets, c'est ce qu'on veut atteindre, mais c'est pas facile au quotidien. Donc, je pense que ce serait un ordre logique pour les mettre, mes idées. Je vais prendre un stylo. Donc, ça amène ça. Puis ça s'en va vers ça. Puis je vais même ajouter une petite boîte de texte pour dire qu'il y a un « mais » ici. Donc, voilà. OK. Donc, j'ai organisé mes idées logiquement. Il me reste une chose à faire. Je dois consulter mon dossier documentaire pour aller chercher des preuves de mes idées principales. Donc, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des faits, des exemples, des statistiques, des citations. Donc, conséquences environnementales, si je regarde mon texte, on m'avait parlé que... les conséquences sur l'environnement, il y avait l'enfouissement des déchets qui finit par causer de l'effet de serre. On avait parlé aussi des matériaux non recyclables. Puis, après ça, on parlait, oui, de la pollution des océans. Donc, j'ai comme trois exemples de causes environnementales que je pourrais ajouter. OK. Donc, pollution des océans. Il y avait aussi matériaux non recyclables, enfouissement égale effet de serre. OK. Donc, ça va m'aider, ces exemples-là, à démontrer qu'il y a des conséquences environnemental si jamais j'ai besoin de récupérer cette idée-là durant l'écriture de mon texte. OK, donc ça découle de ça. Donc j'ai trois exemples. Bon, maintenant que j'ai mis les idées principales de mon premier texte, je dois aller chercher les idées principales dans mes autres textes pour les intégrer.
Donc, je vais faire la même chose. Je vais aller regarder si je peux faire des regroupements ou enlever des idées. J'avais l'idée, plusieurs pays et citoyens prennent des décisions pour réduire les déchets. Donc, où je pourrais mettre ça? Réduction des déchets, règle des 3 R. Alors ça pourrait découler de ça. Je pourrais le mettre ici. Donc, je vais écrire plusieurs pays et citoyens prennent des décisions pour réduire les déchets. OK, donc ça, j'enregistre ça. Puis, je vais le mettre tout de suite en dessous de réduire les déchets. Donc, OK, je vais mettre ma flèche. Okay. Donc, c'est des exemples de ce qu'on fait pour réduire les déchets. Donc, ça, je pense que ça serait bon. Je vais retourner à mes idées. Parmi les bons élèves du zéro déchet, on trouve San Francisco. OK, où je pourrais mettre ça dans mes idées? Peut-être que ça pourrait rejoindre mon idée que c'est difficile au quotidien d'avoir le mode de vie zéro déchet, mais il y a quand même des personnes ou des endroits où on y arrive plus. Je pourrais mettre ça ici, en dessous de ça. Bon élève du zéro déchet égale San Francisco. Donc ça, je pourrais le mettre juste ici. Ça irait bien avec ça. Voilà, ça va là. Puis maintenant, je retourne à mes idées principales. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais atteindre une société zéro déchet passe par une réorganisation profonde de nos comportements et une prise en compte de leurs conséquences environnementales. Les conséquences environnementales, j'en ai déjà parlé dans ce que j'avais déjà, donc pas besoin de rajouter quelque chose. Puis une réorganisation profonde de notre mode de vie, je pense que ça revient beaucoup à l'idée que c'est pas facile à faire. Il faut vraiment faire beaucoup de concessions pour y arriver. Donc, je pense que cette idée-là, je vais juste carrément la retirer. Je l'inclurai pas dans ma feuille de prise de notes parce que je les ai déjà, ces idées-là. Donc, j'ai terminé d'inclure les idées principales du texte 2. Donc, comme j'ai rajouté 2 idées, ces 2-là, il va falloir que j'aille consulter le texte pour, encore une fois, aller chercher des preuves de ça. Donc, pour pouvoir enrichir mon texte le matin de l'examen. On est le matin de l'épreuve unique, je viens de recevoir mon sujet, puis là, j'ai seulement 3 heures pour planifier, rédiger, réviser, corriger et mettre au propre. Alors, je ne peux pas consacrer trop de temps à ma planification, maximum 15 minutes. Il faut que mon plan soit terminé puis que je puisse commencer à écrire. Donc, j'ai reçu la question, sommes-nous prêts à réduire nos déchets? Moi, d'après ce que j'ai lu, je dirais que non, pas vraiment. Je vais écrire ça sur mon plan. Donc, thèse. Prêt à réduire nos déchets. OK, maintenant il faut que j'aille puiser dans ma feuille de notes les arguments que j'aimerais mettre de l'avant. Donc pourquoi je dis qu'on n'est pas prêt à réduire nos déchets? Ici là, avec les notes que j'ai prises ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'exemples ailleurs, dans d'autres pays ou dans d'autres villes, d'initiatives qui étaient prises pour réduire les déchets, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses sur le Canada. Donc, l'idée n'est pas tout à fait là. Je la déduis de mes notes, en fait. Alors, je vais l'écrire. Et le Canada. Donc, ce serait une idée que j'aimerais développer.
Puis, quoi d'autre? Je pourrais prendre cette idée-là ici. Difficile de tenir au quotidien le mode de vie zéro déchet. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas prêt, c'est parce que c'est difficile à faire. Donc, ça, c'est vraiment écrit. Par contre, alors, je vais simplement le souligner, là, comme quoi je prends ça. Donc, ça, c'est bon. Je le garde. Puis ici, j'ai écrit mon idée parce que elle n'était pas écrite vraiment. Je l'ai comme déduit de mes notes. OK. Donc, dans quel ordre je voudrais parler de ces idées-là, par exemple? Parce que j'ai deux paragraphes de développement. Je pense que j'ai plus envie de terminer avec cette idée-là parce que me semble que c'est plus percutant de dire que le Canada il fait pas grand-chose. Donc ça, je vais le garder comme deuxième idée. Puis l'autre, ce sera ma première idée. OK, donc je garde ça. Super. Alors, je retourne dans mon plan vite. Si je regarde ici, donc la première idée, difficile de tenir le mode de vie zéro déchet. Donc, c'est sûr qu'il faut que j'apporte des preuves, alors je dois aller puiser ça dans ma feuille de notes aussi. Donc, qu'est-ce que j'avais comme preuve que c'est difficile de tenir le mode de vie zéro déchet? Ça parlait, on avait beaucoup d'emballages dans les épiceries. Faut dire adieu au confort de la consommation, les oublis de contenants. Pour avoir d'autres exemples, bon, pour mon texte, je vais en retenir juste deux. Ce sera preuve. Beaucoup d'emballages dans les épiceries. Puis, il y avait l'idée de dire adieu au confort que j'aimais bien. Donc, il y a des choses faciles qu'on peut acheter, mais qui comportent beaucoup d'emballage. Puis, dans le fond, si on veut qu'il y ait moins de déchets, ben c'est peut-être plus difficile de trouver certains produits. OK, puis mon deuxième argument, super, je peux mettre ça, argument 2. Donc, le Canada fait peu. Puis, comment je vais démontrer ça qui fait peu? Je vais aller... Donc, je pourrais en fait les opposer aux autres pays. Donc, j'avais l'exemple de la France qui avait interdit les sacs, l'Italie qui encourageait l'utilisation de bouteilles réutilisables, puis l'Irlande qui avait taxé les sacs. Puis j'avais d'autres exemples ici. J'avais San Francisco qui avait rendu le compostage et le recyclage obligatoire puis qui avait interdit les bouteilles de plastique. OK, donc je n'ai pas besoin de tout mettre ça. Là, je peux choisir. Donc, je vais y aller avec la France qui a interdit les sacs. Encourager l'utilisation de contenants. Ça, c'était en c'était où ça? C'était en Italie, je pense. C'était-tu en Italie? Oui, c'était en Italie. Donc, OK. Puis ici, justement, c'est pas facile quand tu veux utiliser tes propres contenants. Il y a beaucoup d'endroits qui ne l'autorisent pas. Donc, ça va encore plus faire ressortir que le Canada ne fait pas assez. Donc, super, j'ai mes idées pour mon développement. Alors, je sais où je m'en vais. Je peux commencer à rédiger.